Et 9h, on va commencer. Comme dit mardi, on va tordre 3 en 0 de tangente. On l'a fait en utilisant les opérations sur les développements limités. Mardi, il y a une autre méthode qui marche aussi et qui marche très bien. C'est juste, on applique la formule de Taylor. Alors, dans notre cas, pour le moment, c'est juste avec le reste de Taylor-Young. Tout simplement à tan en 0 à l'ordre 3. Donc faut juste adapter ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut écrire que tangente x, si j'applique juste brutalement la formule de Taylor sans réfléchir, ça fait du tangente 0. C'est forcément vrai cette formule-là. Plus tangente prime de 0 entre guillemets sur. Alors je vais mettre sur 0 factoriel. Je vais me préciser, je peux me faire un petit écart pour dire fois x moins 0 puissance 0, x moins 0 puissance 0 mais qui fait 1, fois x moins 0 puissance 1 plus tangente seconde de 0 sur 2 factoriel x moins 0 au carré plus tangente dérivée troisième en 0 sur 3 factoriel x moins 0 au cube plus petit o de x moins 0 au cube. Je l'ai appliqué un peu bêtement, hein. On peut directement arriver à cette ligne-là qui est beaucoup plus intelligente. C'était juste pour vous rappeler que c'est vraiment juste la formule de Taylor, qu'il n'y a pas de subtilité. Ça fait le terme tangente 0 tant que j'ai pas fait mes calculs. Ça fait juste du tangente prime de 0 x plus tangente seconde de 0 sur 2 fois x carré plus tangente dérivée troisième prise en 0 sur 6 fois x cube plus petit o de x cube. Donc il ne nous reste plus qu'à calculer les dérivées successives de tangente et leurs valeurs en 0 pour pouvoir avoir le développement limité de tangente en fait, tout simplement. Donc c'est une méthode à la fois plus longue mais plus simple quand on a. Il y a juste plus de calcul mais il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Donc je rappelle que tangente x, on sait que c'est sinus sur cosinus au cas où, mais ça va pas trop servir ici. On sait aussi que tangente prime x, on va voir laquelle des deux est la plus utile, mais je pense que ça va être celle-là. 1 plus tangente carré de x. On peut aussi utiliser celle en 1 sur cos x si on en sent 1 sur cos carré x si on en sent le besoin. Je pense pas. Donc il faut calculer les dérivées successives. Alors calculons tangente seconde de x. Je vais l'écrire comme ça. Je vais dire que ça, c'est tout simplement 1 plus tangente carré prime de x. Ça, je vais le calculer tout simplement en posant a égale tan. C'est trop compliqué pour moi. Donc a prime, ça me fait du tangente prime qui va me faire du 1 plus tangente carré. Et donc, oula, ça y est, j'ai reperdu encore une fois la synchronisation. Ah, à moins que, on va voir. Est-ce que je peux continuer à écrire? Non, ça y est, je peux plus écrire. Ah, bon, j'arrête et je reprends. Dites-moi si vous avez des problèmes à voir le tableau. Là, j'ai dû l'arrêter et le recharger parce que j'arrivais plus à écrire dessus. Mais à tout moment, s'il y a vraiment des gros soucis, comme c'est le cas, je vais essayer là de garder que deux tableaux en même temps, enfin deux, trois tableaux. Bref, quand on aura fini cet exo-là, je l'effacerai en entier et on repartira sur un tableau neuf. J'espère que ça ne devrait pas poser trop de problèmes en faisant ça. Donc si je continue, ça veut dire que cette dérivée-là, pour moi, ça va être du a prime de x, entre guillemets, fois 1 plus a carré prime de a, entre guillemets, je vais l'écrire comme ça si je veux utiliser des notations mathématiques un tout petit peu plus
simple, et donc ça me fait du 1 plus tangente carrée de x, le tout multiplié par la dérivée de ça, ça va me faire du 2a de x. Et donc ça, ça se calcule, a de x c'était tangente, donc ça me fait du 1 plus tangente carrée fois 2 tangente x. Ne pas se rater sur cette dérivée de composé, il faut encore la dériver une fois pour avoir la tangente troisième. Tangente dérivée troisième de x. Ah bah il faut que je redérive cette horreur là, donc je vais la redériver mais pas comme un produit, je vais écrire ça comme un... Donc je vais écrire que c'est la dérivée tout simplement de 2 tangentes x plus ces 2 tangentes cubes x, si je veux dériver ça, enfin... Alors je vais plutôt l'écrire comme ça, 2 tan plus 2 tangentes cubes le tout prime de x, si je veux écrire des bonnes notations bien mathématiques. Ça c'est beaucoup plus logique de l'écrire comme ça. Et donc il faut que je dérive ces deux dérivés là, hein. Donc ça me fait du, par linéarité, la dérivée, ça me fait clairement du 2 tangente prime de x plus 2 fois la dérivée de tangente cube. Je vais un tout petit peu plus vite sur cette dérivée de composé, si encore une fois vous avez du mal, vous reposez une lettre A pour tangente ici. Mais sinon, ça, ça va me faire du 2 facteur de 1 plus tangente carré de x. Et celle-là, ça va me faire donc tangente cube. Je dérive ça comme un cube. Donc j'ai du 3, mais j'ai du A' qui arrive. Donc j'ai du 1 plus tangente carré de x. Et derrière, il y a du tangente carré qui reste. De la dérivée, tout simplement, du cube. Donc, à savoir dériver. Hein, là, j'étais un tout petit peu plus vite pour la troisième dérivée. Mais vous pouvez faire comme la seconde si vous avez un peu du mal avec ça. Je peux mettre donc du 1 plus tangente carré en facteur si je veux simplifier un tout petit peu ce calcul. Et ça va me faire du 2 plus 6 fois tangente carré de x. Voilà. Avec ça, je pense que j'ai fait tous mes calculs de dérivée. Je ne peux pas trop faire mieux. Je peux maintenant calculer les valeurs. On sait que tangente 0, du coup, ça fait du sinus de 0 sur cos de 0. Ça fait du 0 sur 1, entre guillemets, ça fait 0. Donc ça, c'est bon pour tangente. Maintenant que je connais tangente, je sais que tangente prime de 0, c'est 1 plus tangente carré de 0. Ben donc ça fait 1. Tangente seconde de 0, la tangente seconde, elle est écrite là, je la souligne en rouge. Donc ça me fait tout simplement du 1 plus 0 au carré, multiplié par 2 fois 0. Ça va faire du 0 pour la tangente dérivée seconde. Je le rappelle, c'est complètement logique vu que la tangente est impaire, donc il est complètement logique que dans le développement limité, on n'ait que des dérivées de degré impair. Et donc tangente dérivée troisième de 0, alors c'est celle qui est juste au-dessus, donc ça va me faire du 1 plus 0 au carré, facteur de 2 plus 6 fois, 6 fois 0 tout simplement. Donc ça au total, ça va me faire du 2 pour ce tangente dérivée troisième. On peut conclure donc au final, tangente x, donc je reprends ma formule de Taylor qui était là-bas, enfin qui était là-haut, ça fait du 0, plus la dérivée c'était du tangente prime x, tangente prime je viens de la calculer là, ça fait du 1x, plus 0x carré, et plus du 2 sur 6x cube, plus petit o de x cube, et on retrouve bien le résultat qu'on avait obtenu mardi, c'est que ça fait du x plus x cube sur 3. Plus petit o de x cube. Voilà pour cette autre façon de faire un développement limité. Si on vous demande vraiment un développement limité d'une fonction qui n'est pas pile une fonction de référence dont vous avez à connaître le développement limité, vous pouvez toujours refaire ces deux méthodes-là, soit faire des opérations sur les développements limités de vos fonctions de référence, soit... quand la fonction est bien régulière, hein, comme là, la fonction tangente, soit appliquer la formule de Taylor. Alors, si c'est plus long la formule de Taylor, vous devez quand même vous demander mais à quoi servent les opérations sur le développement limité si on peut parfois s'en sortir, notamment avec la formule de Taylor. Enfin, en gros, on aurait une méthode marteau-pilon qui marcherait tout le temps. Pourquoi on s'en servirait pas? Parce que justement, pour pouvoir appliquer la formule de Taylor, il faut que la fonction soit régulière au point où on est. Donc, il y a des cas très bêtes, très simples, où
Les règles de dérivabilité, etc., s'appliquent pas au point où on est, et c'est les opérations sur les développements limités qui vont nous permettre de répondre tout simplement aux exercices. Alors je remonte en haut de ma page, je sais pas si ça vous gêne, c'est la première fois que je le fais du coup. Si je remonte en haut de ma page, tout en haut là, c'est gênant pour vous ou ça. Il faut mieux que j'efface tout le reste en bas ou je peux effacer plus tard le bas? Je suis en train d'écrire là-haut. C'est pas gênant, Camélia? Ok, merci. Bon, bah voilà. L'idée, c'est cette fonction a-t-elle une limite en 0, par exemple? A-t-elle? Poser comme une question ouverte, parce qu'on ne sait pas trop. Et c'est typiquement un exercice qu'on ne peut ni faire avec la formule de Taylor, là, parce que bah, en 0, cette fonction, elle n'est juste pas définie. Donc, on ne peut pas essayer d'appliquer une formule comme ça. Et donc, c'est clairement les opérations sur les équivalents ou sur les développements limités qui vont nous aider. Alors, justement, je fais aussi cet exercice-là en premier, parce que, en fait, les méthodes sur les équivalents ne marchent pas ici. Je vais en parler 10 secondes, je vais juste faire un petit calcul, mais qui est complètement inutile ici. C'est que si on voudrait utiliser les équivalents, déjà on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas sommer les équivalents. Or, si vous voulez utiliser les équivalents, vous allez me faire quoi? Du équivalent à ceci, il y a déjà une somme d'équivalents, premier problème, ça ne marche pas. Deuxième problème, si on voulait sommer les équivalents, et ça marcherait très bien, c'est ce qu'on avait vu avec les développements limités, c'est qu'on pourrait écrire ça. Et maintenant, il n'y a aucune erreur. Maintenant, il faut juste faire les bons calculs. Si je mets ça au même dénominateur, le dénominateur commun, c'est donc x facteur de x plus petit o de x. Là-haut devant, je me retrouve avec du x plus petit o de x moins x. Et je me retrouve avec quelque chose qui est juste négligeable devant x. En gros, maintenant, je me retrouve avec un truc. C'est pas une bonne notation mathématique, la dernière ligne. Mais c'est juste pour vous faire comprendre. En gros, en haut, il reste plus que le petit o, mais en bas, il reste du x carré. Bah, je peux pas trouver la limite quand même, puisque ça dépend quel est le petit o de x. Par exemple, si le petit o de x est du x carré, ça ferait que la limite fait 1. Si le petit o de x est du x cube, ça ferait que la limite c'est 0. Donc ça dépend, ou si c'est le petit o de x est du x puissance 1,5, par exemple, ça ferait que la limite, ce serait plus l'infini. Donc utiliser l'équivalent de référence pour cette limite-là en 0, d'accord, bah j'ai deux Inès et Charlotte. Essayez de vous déconnecter, reconnecter, voyez si ça va mieux. Bref, la méthode par les équivalents de référence est insuffisamment précise ici pour arriver à s'en sortir. Donc il n'y a pas trop le choix. Si on veut s'en sortir, c'est forcément cette méthode-là qu'on a vue de on ne peut pas utiliser des équivalents, il faut utiliser les petits o. Mais ça veut juste dire que l'approximation polynomiale de sinus qu'on utilise ici n'est pas assez précise. Donc il faut faire quelque chose de plus précis. Question, à quel ordre je pousse mon développement limité du coup de sinus pour avoir quelque chose de plus précis? Si vous avez compris votre cours et compris l'idée générale du cours, c'est pas très très compliqué en fait de savoir à quel ordre je poussais le développement limité de sinus. Le reste des calculs, c'est moi qui vais le faire. Mais si quelqu'un peut. Oui, François, l'ordre 3 exactement. Pareil, Manon, très très bien. Tout simplement parce que le sinus, il n'a pas de terme à l'ordre 2. Donc ça sert strictement à rien d'aller à l'ordre 2. Je vais apporter aucun terme en plus. Au lieu d'avoir un petit o de x en haut, je vais me retrouver avec un petit o de x carré. Mais on va le pousser à l'ordre 3, ce développement limité, tout simplement. C'est exactement ça et ça va marcher très très bien. Donc allons-y. J'efface donc ce petit calcul qui était horrible là. Et on va donc dire que ça, c'est égal quand x tend vers 0 à 1 sur x moins 1 sur x moins x cube sur 6. Il faut connaître le développement limité de sinus plus petit o de x cube. Et exactement comme j'ai des méthodes de calcul qui marchaient très bien mais qui n'étaient pas assez poussées ici, parce que j'encadre en bleu. Ben, si je fais les mêmes méthodes mais avec les calculs assez poussés, je vais lever l'indétermination sur cette limite. Si je remets tout simplement ici au même dénominateur, comme j'ai fait tout à l'heure,
on va se retrouver en bas avec un dénominateur qui est x, x moins x. Et en haut avec donc du x moins x cube sur 6 plus petit o de x cube moins x. Donc on se retrouve avec du moins x cube sur 6 plus petit o de x cube divisé par, si je développe, x carré moins x4 sur 6 plus petit o de x4 si je développe. Mais moralement, j'en ai même pas besoin de trop réfléchir à ces petits o, j'ai juste tout ce que je veux. C'est que ceci maintenant, c'est équivalent quand x tend vers 0. On sait, c'est du quotient de polynôme, c'était toute la stratégie d'appliquer des résultats type développement limité. C'est que maintenant, je sais que c'est le quotient des deux termes de plus bas degré. Donc en haut, c'est moins x cube sur 6. En bas, c'est x carré. Cette quantité, elle est équivalente à du moins x sur 6. Je vais effacer tout ce qui est plus bas maintenant. Charlotte, Inès, au fait, vous êtes revenu, c'est bon, ça a rechargé? Il n'y a pas eu de problème? Oui, c'est bon. Ok. Oui, Maxence? Alors, je vais expliquer, mais ça va se voir très très vite sur le calcul. Hop, je remonte, j'efface juste le reste, voilà, on est dans la page du haut. C'est tout simplement à cause de cette formule-là, Maxence, celle que j'encadre en rouge à l'instant. Quel est le terme d'après du développement limité de sinus? Bah, sinus étant une fonction impaire, elle n'a pas de terme de degré 2. Donc comme elle n'a pas de terme de degré 2, ça ne sert strictement à rien de pousser le développement limité à l'ordre 2. En gros, ça revient à faire exactement les mêmes calculs qu'ici, sauf qu'à la place, je mets un petit o de x carré. Donc je mets un petit o de x carré et je me retrouve avec un petit o de x carré, ce qui fait que je n'ai pas encore la moindre idée de l'ordre de grandeur du numérateur. Donc pour avoir ne serait-ce qu'un seul terme non petit o en plus dans ce développement limité, je dois le pousser au moins à l'ordre 3. Et en fait, il suffit de voir et de mener les calculs et on voit que l'ordre 3 suffit. Donc c'est notamment important ça à comprendre, c'est que c'est vraiment comme ça pour vous, vous devez poser les questions et les calculs, c'est qu'à la limite, il ne faut utiliser que les équivalents de référence, et quand vous arrivez dans un cas comme ça, où vous vous rendez compte que ce n'est pas suffisant, vous rajoutez juste un terme à ce qui vous manque, et vous allez trouver la limite comme ça. En général, il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus loin qu'un terme de plus que vos équivalents de référence. Donc ici par exemple c'est le cas, donc cette quantité elle est équivalente à x sur 6 qui tend donc quand x tend vers 0, bah tout simplement vers 0 cette quantité là. Donc f de x tend bien vers 0 quand x tend vers 0. Si l'exercice était d'une autre nature, on pourrait même dire que f est continu sur r, parce qu'elle était continue sur r étoile clairement par les règles d'opération sur les fonctions de référence, enfin pas sur R, à cause du sinus qui se réannule, mais sur par exemple sur moins pipi, en posant f de 0 égale 0. Donc bien sûr, cette idée de développement limité, etc., va se rajouter à tout ce qui est intégrale impropre ou surtout faussement impropre, prolongement par continuité, ce genre de notion-là derrière. Tiens, refaisons quelque chose qui va pas coûter grand-chose vis-à-vis du même exo. La fonction f est-elle dérivable en zéro? En gros, la première question que j'ai pour vous, et là je vais interroger quelqu'un. Oui, sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Camélia, est-ce que tu peux me dire quel calcul je dois faire pour vérifier si la fonction est dérivable en 0?
faut savoir répondre à ce genre de questions. Ce n'est pas des points si durs que ça. Mais il faut connaître votre cours. Quelle quantité, vous pouvez juste taper dans le chat si vous n'avez pas le micro, mais quelle quantité faut-il calculer et faire la limite pour vérifier que la fonction est dérivable en 0? Il y a besoin de très 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 peu de calculs dès que vous aurez un équivalent polynomial, en fait, comme c'est le cas là-haut. En général, maintenant qu'on a ça, enfin, mais c'est le cas depuis qu'on a les équivalents, en fait. On a besoin de très très peu de calculs pour trouver la dérivabilité. Oh, la couche de rouille. Personne n'a d'idée sur ce qu'il faut calculer pour vérifier qu'elle est dérivable en 0. Oui, c'est ça, Simon. Max, la limite du taux d'accroissement, exactement. Avec la dérivée polynomiale. Alors, c'est après, on va passer aux équivalents, Martin, c'est juste ça. Mais sinon, oui, c'est le taux d'accroissement. Donc, puisqu'on est en 0, on va regarder en gros du f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Ça, c'est le cours qui nous dit ça. Mais on peut adapter les notations. Ici, ça revient à regarder f de x moins f de 0 sur x moins 0, ce qui revient tout simplement à regarder la quantité f sur x, f de x sur x, et de regarder la limite en 0. Oui, Oussama, ça va faire ça, c'est pas très très dur. Pourquoi? Parce que maintenant, avec l'équivalent qu'on a trouvé au-dessus, puisqu'on a trouvé un équivalent de f de x, ça c'est équivalent à moins x sur 6 divisé par x, ça fait du moins 1 sixième. Et donc, puisqu'on a un équivalent de moins 1 sixième, ça tend quand x tend vers 0 vers moins 1 sixième, ce qui fait que f est dérivable en 0 de dérivée à f prime de 0 égale moins 1 sixième, tout simplement. Donc voilà le genre de calcul et le genre d'exo qu'on va vous poser. Clairement, là, par contre, ça c'est tout à fait faisable en sujet de concours. Sur ce genre, enfin voilà le genre d'exo classique qui est tout à fait acceptable, même vraiment en sujet pour vous et qui a à voir avec ça. Ça parlera toujours soit d'équivalent, soit de limite, moralement. On vous demande très rarement des développements limités, sauf pour faire justement des limites quand vous en avez besoin et pour faire une question intermédiaire de cours et vous donner des points dessus. Voilà. Bon. Je repars en haut de l'exo. Je vais effacer le haut. Je pense qu'on a je pas besoin de le garder. C'est bon, on a la bonne durée. On va en faire un autre et après on va passer à un autre type d'exo. Plus spécifique à ce chapitre, peut-être un peu moins intéressant. Mais il faut que je vous prépare quand même à plein de petites choses toutes bêtes sur cette notion de développement limité. Alors. Celui-là, c'est donc c'est lequel? Celui-là, c'est l'exercice. Là, je vais dans le poly, mais c'est pas très important. On va le voir très vite. C'est l'exercice 11, lequel est pas mal. Le 11-3 est plutôt bien. Le 11-2 et le 11-3. On avait besoin du. Non, on n'avait même pas besoin. On savait déjà faire le 11-2 par les équivalents de référence. On va juste faire le 11-3 du coup. Pourquoi dans la formule de base, et là on met x moins 0? Alors non, la formule de base c'est h avec h qui tend vers 0. C'est juste que puisque la variable de base de la fonction s'appelle x et qu'on veut faire tendre x vers 0, c'est logique de basculer les notations en gros, c'est juste que je pose h égale x. C'est tout ce que j'ai fait. Parce que c'est juste que la fonction s'écrivait déjà en x et qu'il n'y avait pas de problème là-dessus. Si j'avais dû poser du 1 plus h, là j'aurais dû refaire des calculs, par exemple si j'étais en 1, parce que justement moi j'ai calculé f de x, pas f de 1 plus h. Donc là il y aurait eu des petits calculs à faire, et j'aurais peut-être pas regardé la même variable x, vu que ça n'avait aucun intérêt du fait que j'avais fait des calculs avant. Là c'était vraiment juste parce qu'on avait déjà fait des calculs avant en x pour reprendre les notations du calcul en x avant. Mais ça n'a pas, on pouvait les refaire en h sans problème, ou adapter les notations en x en h juste derrière sans problème. Alors, donc
Donc cette question-là, on vous demande la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x, le tout au carré. Bah non, on va s'en sortir avec les équ... Ah, ouais, on va s'en sortir avec les équivalents. Je suis fou. Oui, on va s'en sortir avec les équivalents de référence. Bah tiens. J'ai enlevé mes exos super durs en fait. J'aurais pas dû. Il m'énerve cette limite. J'ai envie de faire. Ça, c'est trop simple. Bah tiens. Allez hop. Je modifie légèrement l'exercice 3. 3 versions 2 entre guillemets. Je veux la limite quand x tend vers 0 de cette horreur-là, ce qui va nous obliger à faire des développements limités. Ah, ok. Comment on fait? Bah, il faut juste, normalement, l'idée, c'est vraiment juste de prendre nos équivalents de référence. Et quand on a des sommes, on n'a pas le droit de prendre des équivalents. Donc, de faire des calculs de développement limité, mais à l'ordre le plus simple, le plus pratique possible. Le numérateur est très très simple. J'ai du ln de 1 plus x au carré et j'ai x qui tend vers 0. Là, pas besoin de plus que ce qu'on connaît à la base. Normalement, c'est voilà, pour chaque terme, on va essayer de regarder les choses simples, qui domine, qui perd, etc. Au numérateur, il n'y a qu'un seul terme, c'est celui-là. Il est équivalent clairement à cause du carré qu'on peut voir comme un produit. Ça fait du x fois x qui fait du x carré par produit d'équivalent. Comment on fait la limite du bas? Et c'est ça qui est nouveau et c'est ça qui va changer. Entre guillemets. Qu'est-ce qu'on savait faire? Bah avant qu'on regardait la limite du bas, ce qu'il faut déjà faire, c'est tout simplement regarder qui domine. Et là-dedans, quand on fait tendre x vers 0, entre guillemets, on se retrouve avec du 1 moins 1 moins 0. Donc en fait, les termes dominants, ce sont les termes constants non nuls, c'est ceux-là, mais ils se compensent l'un l'autre. Donc puisqu'ils se compensent. Il y a un moins de trop qui est apparu ici, je suis désolé. Hop, ça faisait ça. Puisqu'il se compense, on n'arrive pas à savoir ce qui se passe derrière ce terme dominant du 1. Donc il faut pousser ce qu'on utilisait les équivalents de référence, mais comme il y a une somme avec des petits taux, pour arriver à comprendre ce terme. Donc ça ne va pas me permettre de résoudre le problème. Enfin si, ça tend vers 0, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, la limite ça fait 0. Mais ça ne me donne pas. Comme j'ai là-haut, la vitesse à laquelle ça tend vers 0, donc ça ne me permet pas de conclure à la limite. Donc maintenant, j'utilise ma notion d'équivalent de référence, parce que la limite ne suffit pas. Si j'utilise mon équivalent de référence, vous devez savoir que si je l'écris avec des petits taux, parce que ce qu'on avait écrit, ou c'est maintenant l'équivalent de référence, c'est tout simplement le DL à l'ordre 1 en 0 de l'exponentielle. Hein. Si je l'utilise, ça me donne, vu que je vais aller plus loin, donc je vais aller plus loin que le terme juste en 1, bah je rajoute juste un terme, entre guillemets. Donc ça me fait du 1 plus x moins. Alors je vais le réécrire comme ça tout simplement, mais là c'est vraiment, on peut voir ça maintenant comme de la composée de développement limité. C'est-à-dire que ça c'est du exponentiel de grand x pour le moment, avec grand x qui vaut moins x et qui tend bien vers 0 quand x tend vers 0. Donc je vais pouvoir faire un développement limité de ça. J'ai oublié d'écrire mon petit taux de x ici. Moins 2x, qui est un polynôme, donc je ne le modifie pas. Donc ça me fait, si je l'ai réécrit, du 1 plus x plus petit taux de x, moins 1 plus grand x plus petit taux de grand x, moins 2x. Si je reviens en petit x, ça me fait du 1 plus x plus petit taux de x, moins 1. Moins x. Alors plus petit taux de moins x, je me permets instantanément de le réécrire en plus petit taux de x. Enfin, j'avais déjà remis la parenthèse fermante. Moins 2x. Donc c'est la bonne méthode, c'est ça qu'il faut faire, il faut faire cet équivalent de référence, sauf si vous êtes capable de voir les calculs plus loin, auquel cas vous allez vous rendre compte de ce que mène ce calcul et vous rendre compte qu'il ne sert pas à grand chose. Je me suis arrangé pour qu'il ne serve pas à grand chose. Fasse le bas et je reprends après.
Alors. Mince. C'est pas ça, je vais la remonter là. Donc, si j'écris ça, bah, si vous voyez ce qui se passe, ça va me faire du 2x moins 2x plus petit o de x. Au final, je n'ai encore une fois que le petit o de x. Exactement que comme je vous ai fait cette limite ici, c'était un peu la même idée en fait. Je n'avais qu'un petit o de 1. Donc c'est que je n'ai pas poussé. C'est que je n'ai pas poussé mon développement limité, encore une fois, où mon équivalent de référence n'est insuffisant, où je n'ai pas poussé mon développement limité assez loin. Puisque je ne l'ai pas posé assez loin, je vais aller un cran plus loin. Il n'y a pas de meilleure méthode que de dire je vais juste un cran au-dessus. Donc allons-y. Quelle est l'idée d'aller un cran au-dessus? Il faut connaître ses développements limités. On sait que pour l'exponentielle, ça devient ça. Je vais utiliser celui-là à la fois sur x et sur moins x. Donc là, je vais me permettre de faire un calcul à part pour gagner un tout petit peu de temps. Clairement, ça va me faire en moins x du 1 plus moins x plus moins x le tout au carré sur 2 plus petit o de moins x le tout au carré. Et ça, j'espère que vous voyez bien que ça va me donner du 1 moins x plus x carré sur 2 plus petit o de x carré. Ah, j'avais pas prévu ça. Bon, bah, c'est pas grave. C'est vraiment un meilleur exo du coup. Mais il va être fait un peu long. Je reprends mon dénominateur du coup, que j'ai ces deux développements limités là. Donc je reprends le calcul à partir du égal qui était là comme j'avais fait tout à l'heure. Je reprends le calcul de la quantité de base qui était, je la remets ici un tout petit peu au-dessus pour qu'on sache, exponentielle x moins exponentielle moins x moins 2x. Alors, je vais le refaire totalement, mais je vais vous faire une remarque en même temps. Il y a moyen de savoir dès le début à quel niveau faut pousser le DL. Bah là, je n'ai pas d'autre réponse à te donner, Baptiste, que c'est à vous d'arriver à vous rendre compte si les calculs vont simplifier vite. Et il y a juste une petite astuce que je vais vous donner, bah, je vais la donner tout de suite du coup, qui est qu'il faut être logique dans ce que vous faites. Qu'est-ce que je veux dire par être logique? Typiquement. Quand j'ai fait mon calcul, bah, je vais remonter un petit peu mon écran. Quand j'ai fait mon calcul juste au-dessus ici, quand j'ai fait ce calcul-là, puisque juste avant j'avais déjà obtenu un petit taux de 1 en faisant les calculs de limite simple, est-ce que j'étais obligé de prendre en compte tous les termes qu'il y avait là-dedans? Est-ce que j'étais obligé de tout réécrire dans mes calculs? Alors Raphaël, non, mais qu'est-ce que je pouvais me permettre de ne pas réécrire que je savais qui n'apparaîtrait pas dans mon calcul tout simplement? Qu'est-ce que du fait que j'ai fait un premier calcul, le fait d'aller plus loin, je sais que c'est plus long parce que je dois pousser mon développement limité plus loin, mais qu'est-ce que je pouvais être sûr qu'il n'allait pas apparaître dans mes calculs? Ou autre question, et c'est là un peu la même, mais c'est ce qu'on va utiliser ici. Du fait que je sais que je dois pousser plus loin de mon développement limité, pour le calcul qui est ici, le fait que je sais que juste au-dessus, j'ai obtenu un petit o de x. Qu'est-ce que je sais qu'il ne va pas apparaître dans mon calcul qui va. Il n'y aurait qu'un petit o. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Hugo? Je comprends pas ce que tu veux dire. Il y a peut-être une vraie idée derrière, mais c'est pas assez clair pour moi. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Du fait qu'on a une limite qui était un petit o de 1, en gros, il peut pas y avoir de constante. Donc en fait, ok, j'ai recopié 1 moins 1 ici, parce que je savais que ma limite là-haut, ça me faisait du 1 moins 1. Mais moralement, moins moins 1, je sais qu'il va se simplifier, je sais qu'il va disparaître. Donc, c'est une petite question, c'est pour la suite du calcul. Puisque je sais que j'ai obtenu un petit o de x ici, qu'est-ce qu'il est inutile de recopier quand je vais poursuivre mon calcul au développement d'après? Du coup, ça sert à rien de recopier les termes en x en fait, ouais, Baptiste.
Donc plutôt que de réfléchir même à quel est l'ordre de base, c'est plutôt à vous de voir ça. Si vous voyez que les termes en constante simplifient, il faut au moins aller faire des développements limités en gros à l'ordre 1. Si vous voyez que les termes en x se simplifient, il faut au moins porter des développements limités à l'ordre 2. Et c'est au fur et à mesure que vous allez poursuivre vos calculs que vous allez voir si les termes d'après se simplifient ou pas. Typiquement, je vous ai rajouté le 2x dans l'exo pour être sûr qu'on aille à l'ordre 2. Moi, parce que je voyais de tête qu'on allait finir à l'ordre 1, sinon, si je rajoutais pas mon moins 2x à l'exo, hein, dans l'exo de base, il n'y était pas ce moins 2x. Mais je me suis pas rendu compte de quelque chose qu'on va voir ici. Donc, si je me permets d'accélérer un tout petit peu les calculs ici, je sais que si je veux pousser le développement limité à l'ordre 2, je ne vais pas avoir les termes d'ordre 1 qui vont apparaître. Donc, je peux me limiter à calculer les termes d'ordre 2 de ces deux développements limités. Donc, je sais que je vais me limiter à écrire un x carré sur 2 plus petit o de x carré, moins, et l'autre développement limité, ça me faisait du x carré sur 2 plus petit o de x carré. Je n'ai pas besoin de recopier les termes d'ordre 0 et d'ordre 1, ils sont déjà simplifiés. Mais vous vous rendez compte de quelque chose, c'est que si je fais ça, je me retrouve avec petit o de x carré moins petit o de x carré, ce qui globalement fait juste un petit o de x carré. Je n'ai pas encore poussé le développement limité assez loin en fait. Alors ça, ce n'était pas prévu, c'est en rajoutant ça à mon exercice, j'avais oublié, enfin c'est assez logique, j'en parlerai après, j'aurais dû m'en rendre compte directement, mais ce n'était pas forcément ce que je voulais. Mais on se rend compte que, encore une fois, j'ai pas poussé l'ordre assez loin. Je peux pas conclure à comment se comporte ce terme. Donc j'ai pas poussé mes développements limités assez loin, faut que je les pousse plus loin. Alors bon, c'est pas très très important, hein, mais on n'est pas même pas obligé officiellement de tout réécrire, mais en gros le terme d'après. Oui, l'ordre de 3, ça va marcher grâce à la puissance impaire. Voilà, Max, si tu t'en rends compte vite fait dans les calculs, ben voilà, on sait que ça sert à rien d'aller plus loin, et ça va marcher sans problème. Exponentielle de moins x, ce qui se passait, c'est qu'on alternait, en gros, il y avait un moins x ici, puis on repartait avec un plus x carré sur 2, et là, on va se retrouver avec un moins x cube sur 6 pour l'exponentielle de moins x. Donc je continue encore ce même calcul qui était là, mais encore une fois, puisque ici j'ai obtenu un petit o de x carré, quand je continue mon calcul de développement limité à un ordre plus élevé, ça ne sert strictement à rien de recopier mes termes d'ordre 2 ou moins. Donc je n'ai qu'à recopier les termes d'ordre 3. Et donc si je recopie pour mon calcul, exponentielle x, ça me fait du x cube sur 6 plus petit o de x cube, moins exponentielle de moins x, ça va me faire du moins x cube sur 6 plus petit o de x cube, ce qui va donner au final du 2x cube sur 6 plus petit o de x cube, ce qui donne donc du x, pardon, c'est pas un plus, c'est un égal, ce qui donne donc du x cube sur 3 plus petit o de x cube. Et maintenant, je contrôle bien parfaitement mon dénominateur. Quand x tend vers 0, mon dénominateur, il fait du x cube sur 3. Donc j'ai mon numérateur tout là-haut, je l'ai déjà oublié, c'était un ln. Donc ma quantité qui était ln de 1 plus x, le tout au carré, sur c'était exponentielle x moins exponentielle moins x moins 2x est équivalente maintenant quand x tend vers 0 et je reviens à mes équivalents que je maîtrise bien. J'avais trouvé du x carré en haut par produit. En bas, je trouve du x3 sur 3. Au final, je me retrouve avec du 3 sur x en utilisant les règles sur les puissances. Donc cette quantité se comporte comme 3 sur x quand x tend vers 0. Alors là, j'ai une question toute bête. Je vais demander, hop, 11 en partant de la fin, ça me fait quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Emma, est-ce que tu peux me dire si ça, c'est quoi la limite de ce truc-là quand x tend vers 0, si ça admet une limite? Bah, le 3 sur x, l'équivalent global. C'est une très très bonne réponse.
Je voulais, c'était une question piège, c'était pour vérifier ça, mais c'est une très très bonne réponse. Bah oui, il n'y a pas de limite quand x tend vers 0. Tout simplement parce que quand 3, 1 sur x ou 3 sur x, c'est la même chose, hein, 1 sur x ça fait ceci. Donc il y a bien, et je le rappelle, c'est un chapitre de début d'année, mais c'est aussi l'occasion de faire des révisions. Il y a bien une limite à ça en 0 plus, il y a bien une limite à ça en 0 moins, mais globalement, il n'y a pas de limite en 0. Donc le fait que ce soit équivalent à ça, en gros, on peut dire que ça tend. Quand x tend vers 0, x strictement supérieur à 0, c'est un strictement que je voulais faire ici, bah ça tend vers plus l'infini. Ça tend aussi quand x tend vers 0, mais x strictement inférieur à 0, vers moins l'infini, ce qui implique que la fonction n'a pas de limite en 0. Elle se comporte comme 3 sur x, donc elle explose d'un côté et de l'autre. Par contre, on vient de trouver que sa limite en 0 moins, c'est moins l'infini, et sa limite en 0 plus, c'est plus l'infini. On a trouvé ces deux limites-là quand même. C'est plus qu'avoir aucune information. On a quand même résolu la limite. C'est juste que d'un point de vue factuel, on doit dire que ça n'a pas de limite. Voilà pour cet autre exercice. Ah bon, j'ai poussé les calculs un tout petit peu plus durs, hein. Les trois quarts des exos que j'ai mis, en fait, je me rends compte qu'ils sont trop simples. Enfin, trop simples. Parce que bah tiens, on va en faire un autre. Ah non, ça ne va pas. Si, ça va. Allons-y. Oui, si. Hop. Ah. C'est tout ça, je vais garder les derniers calculs qu'on a fait qui étaient tout à fait importants et je remonte. Alors, je l'ai mis où mon exo? Ou alors je l'ai remis plus haut parce que je suis déjà aux exercices 5, il doit être peut-être plus haut mon exo. Non, avant c'est des exos, il est où l'exo 4? Non, c'est parce que. Bah mince. Ah si, je l'ai mis là. Voilà, c'est parce que en fait, je sais pas pourquoi, j'avais pas la dernière page de mon poly qui s'affichait. Maintenant qu'elle s'affiche, ça ira mieux. On va changer d'exo, on va faire un autre truc, on va faire l'exercice 16. Alors l'exercice 16, c'est typiquement la même idée que ce que je viens de vous faire faire, sauf que je me suis arrangé pour que tout se passe mal. Donc c'est typiquement ce qui vous arrivera jamais en concours et qui va vous arriver avec ce chapitre. Pour moi, c'est des calculs tout à fait viables de ce chapitre. Donc je veux un équivalent quand x tend vers 0, on va en faire un seul, mais c'est juste pour un équivalent lorsque, et c'est la même idée que ce qu'on vient de développer, lorsque x tend vers 0, pour lequel j'ai été m'embêter le plus. Je pense que c'est celui-là. Alors on va faire le. Donc j'ai dit 16,3, ouais, c'est le pire, je pense. Donc je veux un équivalent de cette quantité-là quand x tend vers 0. Moins cos x. Plus x moins 2 sin x. C'est exactement la même idée. Si je veux un équivalent, la première chose que j'ai à faire, c'est juste regarder en termes de limite ce qui se passe quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, ça se comporte comment? Bah, ça me fait du 1. Le terme en ln tend vers 0. Le terme en cos tend vers moins 1. Le terme en x tend vers 0. Le terme en sinus tend vers 0.
Donc au final, je me retrouve avec une limite de 0. Donc entre guillemets, en termes d'équivalent, j'ai pas d'équivalent, je me retrouve juste avec un petit taux de 1. Ce qui va donc me faire dire que ma quantité, plutôt que de faire ça, je vais en faire un développement limité à l'ordre 1, en 0. Alors pour ça, je vais juste regarder toutes les fonctions de référence que ça implique et je vais faire leur développement limité à l'ordre 1. Ln de 1 plus x, on sait que c'est juste x plus petit taux de x. Cos x à l'ordre 1, c'est quoi son développement limité? Est-ce que quelqu'un peut me le mettre dans le chat? Je vais toujours faire gaffe à ce genre de choses, mais c'est. Ou dire à l'oral. Hein. Oui, son développement limité à l'ordre 1, c'est 1 plus petit taux de x, mais c'est 1 sinon. Donc en fait, il va rien apporter à l'ordre 1 cosinus. Donc ça va me faire du 1 plus petit taux de 1. Et derrière, c'est j'ai aussi à utiliser celui de sinus qui vaut tout simplement du x sont à l'ordre 1 plus petit taux de x. Donc si je fais mon développement limité à l'ordre 1, je sais que je peux même, si je veux, ne pas recopier toutes les constantes, c'est ce que je viens de dire là-haut avec cette histoire de petit taux de 1, je peux recopier que tous les termes en x. Mais bon, là je vais tout faire pour juste ce calcul-là. Ça me fait du 1 plus x plus petit taux de x, moins 1 plus petit taux de x, entre guillemets, si je transforme ça, plus x, moins 2 fois x plus petit taux de x. Ce qui, au global, va me faire du 2x moins 2x plus petit taux de x. Ce qui fait du petit taux de x. Oh mince alors, je ne suis pas tombé sur le bon résultat en allant à l'ordre 1. Ce que je dois donc faire, c'est pas aller à l'ordre 1, c'est aller à l'ordre 2. Ah, donc on va utiliser maintenant un développement limité à l'ordre 2 en 0 de mes fonctions. Je me permets d'effacer le petit truc de cours que je mets à côté. Il faut juste les pousser à chaque fois un peu plus loin, mais je vais garder ça à côté tant que je suis à la bonne hauteur de calcul. Donc il faut connaître vos développements limités. Maintenant, c'est ça que j'avais mis un petit taux de 1. C'était un petit taux de x que je voulais mettre. C'est pas très gênant. Donc à l'ordre 2, ça me donne. Pardon. Je vais trop vite, vous voyez. Je rappelle que pour le ln, c'est un moins. Quand on fait du ln de 1 plus x, donc ça me fait du moins x carré sur 2. Cosinus, faut le connaître aussi, on le connaît déjà, c'est l'équivalent de référence, ça me fait aussi du 1 moins x carré sur 2. Et x et sinus, bah lui, ça va juste me faire, ça change rien, ça me fait juste du x plus petit taux de x carré. Bon, bah là par contre, j'ai pu m'embêter. Clairement, je n'ai pas à recopier aucun des termes d'ordre 1. Je n'ai qu'à recopier que les termes d'ordre 2. Donc, qu'est-ce qui m'apporte des termes d'ordre 2? Il y a le terme en ln qui va m'apporter ce terme-là. Et il y a le terme en moins cos qui va m'apporter moins ce terme-là. Donc, je vais me retrouver avec du moins x carré sur 2, plus petit taux de x carré, moins x carré sur 2, plus petit taux de x carré. Oh mince alors, ça fait petit taux de x carré. Donc il faut pousser à un ordre plus grand. Donc il n'y a pas le choix. Il faut on continue et je sais qu'il faut aller à l'ordre d'après. Donc je vais aller à l'ordre 3 en 0 de mes développements limités. Comme je vais plus bas, tiens, là je vais les réécrire. Et je vais juste dire que ln de 1 plus x, c'est le début de son développement limité. Je ne vais pas tout recopier. Et à l'ordre 3, comme j'avais du moins x carré sur 2, après c'est du plus x3 sur 3. Cosinus x, à l'ordre 3, il n'y a rien. C'est plus petit taux de x3, il n'y a aucun terme. Oui, Simon? Monsieur, je ne vois pas de comment faire compenser le moins des x avec le moins du sinus. Attends, je remonte. C'est parce que justement, dans mes développements limités, attention, j'ai fait exprès moi dans ma fonction de rajouter un terme en plus x, il y a un terme polynomial qui est là.
Et donc, quand je l'ajoute au x qui vient du ln, je me retrouve avec du x plus x qui me fait le 2x que j'ai mis là en dessous, moins le 2x du sinus, et ça s'est compensé. Donc je descends. Le cosinus n'apporte aucun terme à l'ordre 3. Par contre, le sinus, on sait très bien que le sinus, il va apporter un terme, vous le savez, en moins x cube sur 6 plus petit o de x cube. Donc ça ne sert à rien de recopier tous les termes d'ordre 1 et d'ordre 2 dans les calculs. On les a déjà menés. Ah, ils sont tous simplifiés, donc on peut juste recopier les termes d'ordre 3. Donc, je vais remonter un tout petit peu mon écran pour avoir accès à mon calcul de base. C'était donc 1, ça apporte rien à l'ordre 3. 1. Ln de 1 plus x, ça m'apporte, je viens de le dire, du x cube sur 3 plus petit o de x cube. Moins cos, ça apporte rien. Cos. X, c'est un polynôme, ça apporte rien. Et je me retrouve avec un moins 2, moins x cube sur 6 plus petit o de x cube. Alors je me retrouve donc avec du x3 sur 3 plus 2 sixièmes de x3 plus petit o de x cube si je simplifie. Hein. Et là tout ça ne se simplifie pas complètement. Donc ça me fait au final du 2 sixièmes, ça me fait aussi un tiers, hein, ça me fait au final du 2 tiers de x cube plus petit o de x cube. Donc un équivalent de cette quantité quand x tend vers 0, c'est juste du 2 tiers de x cube. Bon, voilà typiquement ce que vous ne rencontrerez jamais en sujet. Vous n'irez jamais aussi loin dans un développement limité sans avoir l'impression d'en voir le bout. Mais voilà typiquement ce qui me paraît être un exercice classique de ce chapitre. On pousse un tout petit peu plus loin cette notion-là pour que vous sachiez derrière là, vous en servir dans les notions, enfin dans les exos plus classiques. Est-ce que ça va sur l'idée qu'on a développée dans les deux derniers exos du fait que on n'a pas d'idée à l'avance d'à quel ordre il faut pousser un développement limité. L'idée, c'est de le pousser à l'ordre minimal à chaque fois et de voir s'il nous reste un terme dominant. Et s'il n'y a pas, on doit aller plus loin. Mais aller plus loin, ça n'ajoute pas tant que ça de termes dans les calculs parce qu'on sait déjà que tous les termes d'avance simplifient les uns les autres. Bon, voilà pour ça. Oui, alors le problème c'est qu'il va falloir pratiquer ça. Donc lundi matin ou lundi après-midi, hein, pour là où on revient en présentiel, 2 heures de calcul de développement limité, ça vous fera pas de mal à vous-même. Ce sera vous qui ferez tous les calculs. Ce sera juste calculatoire. Point. Alors, j'efface tout ce qui est en dessous. Pour que vous pratiquiez un tout petit peu. Mais l'idée, vraiment l'idée est assez... assez simple, enfin il n'y a pas. Alors, moi je laisse cet exercice-là, je vais en faire un en dessous. On va changer un tout petit peu d'idée, toujours dans les développements limités, toujours ça. Ces deux idées, en fait, ces deux, je vais vous donner deux exos en même temps, et pour moi, l'exercice est le même des deux façons, en fait, tout simplement. Enfin, c'est le même exo pour à chaque fois. Alors, je sais que l'énoncé est dans la feuille de TD, il faut juste que je retrouve est-ce que je l'ai mis. Moi, j'en ai mis qu'un, mais on va en mettre un deuxième. Je veux un DL à l'ordre 2 en 0 de ces deux quantités-là. Donc là, je veux un développement limité. Je veux obtenir un développement limité à l'ordre 2 de ces quantités-là. La première, c'est ln de 2 plus x carré. Et l'autre, par exemple, c'est du 1 sur... Tiens, je vais vous embêter un tout petit peu, je vais mettre du 1 plus sur 2 plus racine de x. Et pour arriver à faire ça, il y a deux idées fondamentales. Enfin, déjà, il y a deux méthodes, et dans l'une des deux méthodes, il y a une idée fondamentale à développer. Et qui est pour moi la même pour les deux fonctions. Ah. Et on pourrait même faire ça, bah tiens, je vais vous en rajouter un troisième.
Je veux un développement limité à l'ordre 2 de, bah, pas sinus, c'est moins intéressant que cos, mais de cosinus pi sur 3 plus x. Et comme ça, j'enlève trois fois la même. C'est quel exercice? Il y a l'exercice 7-4. Ça, c'est le 7-4. Et l'autre, je l'ai pas. C'est les deux autres, je viens de les rajouter pour vous faire comprendre cette idée-là de la méthode que je veux mettre derrière. C'est juste ça. Mais le premier, c'est le 7-4. Ok, ouais. J'espère que c'est plutôt la connexion de François qui bug que lui-même, mais sinon, pas de soucis. Voilà. Comment vous feriez si je vous demande, si je vous pose ces questions-là? Trouvez-moi un DL de, pour n'importe laquelle des trois. Est-ce que vous avez une idée, quelque chose Comment vous feriez? Il y a vraiment déjà, principalement, il y a deux approches. Et une fois qu'on a fait l'une ou l'autre, dans l'une, il y a une nouvelle idée pour moi. C'est pour ça que je vous les mets ensemble et qu'il faut que vous compreniez juste ça. Celle de ref. J'ai pas compris, Baptiste. Celle de ref. Qu'est-ce que tu veux dire par celle de ref? Ça, j'ai pas compris. C'est une histoire de composé. Alors, il y a une histoire de composé, mais c'est un peu plus compliqué que ça, Max. Il y a un problème de composé et de. Et c'est ça qui va être le mot, mais si. Donc, déjà, si vous me dites ce genre de choses, c'est que vous êtes plutôt parti dans ce que j'ai envie d'appeler la deuxième méthode. Si je reparle en fait de tangente qu'on a fait en début d'heure, il y a vraiment, encore une fois, méthode 1, et c'est plutôt celle-là, je pense qu'on attend de vous, qui est opération sur les DL de référence. Et donc c'est un peu ça, je pense que tu voulais me dire, Baptiste, par celle de ref. On ne peut pas écrire ln de 1 plus x avec x égale 1 plus x. Et justement, on y arrive à Erwan et on ne peut absolument pas. Et ça, c'est un truc qu'il ne faut pas faire, justement. Et la méthode 2, que vous ne me parlez pas ici, mais qui aurait été envisageable, c'est tout simplement de revenir à Taylor. Je vous demande un développement limité à un ordre quelconque de ces quantités-là. Bah, il suffit d'appliquer la formule de Taylor. Et vous aurez un développement limité alors qu'il en n'importe quel point de n'importe quelle fonction, tout simplement. Mais revenons sur cette idée-là. Et justement sur la question de Erwan, enfin sur l'idée d'Erwan, parce que c'est celle-là que je veux vous apprendre pour pas que vous fassiez des bêtises. Et c'est justement ce que m'a dit Erwan, mais c'est super important parce qu'il faut que vous compreniez tout ce qu'il faut pas le faire. Erwan a dit notamment, par exemple, pour le ln qui est là, que Erwan voudrait appliquer le ln de 1 plus grand x, dont on sait, dont on connaît un développement limité ou un équivalent en grand x, en posant tout simplement que grand x, bah, vu la forme de la quantité qui est là-haut, suffit de poser que grand x c'est 1 plus x carré. Mais justement, quand vous réfléchissez à ça, vous oubliez un point clé qui est tout simplement que ici, ça se passe quand grand x tend vers 0. Et que si moi je veux faire un développement limité à l'ordre 2 en 0, c'est ma variable petit x qui tend vers 0. Donc si petit x tend vers 0, en fait ici mon grand x il tend vers 1. Et je ne peux pas appliquer ça. Donc il y a un vrai problème avec ce calcul de développement limité que je vous donne, qui est qu'on n'est pas au point où on peut appliquer notre développement limité. Typiquement ce ln-là, il est au voisinage de 2, alors que nous on a un développement limité de ln au voisinage de 1. Cette inverse, elle est au voisinage de 2, alors qu'on a un développement limité de l'inverse au voisinage de 1. Ce cosinus est au voisinage de pi sur 3, alors que le cosinus, on en connaît un développement limité en 0. Donc c'est un ajout par rapport à cette méthode-là ici, c'est que dans les trois cas de figure, encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous verrez dans des bouquins, c'est moi qui essaye de vous résumer ça. C'est mon vocabulaire à moi ici. Dans les trois cas de figure, on a ce que j'appelle un problème de localité. Ou de lieu, ou d'endroit. Je sais pas comment.
C'est-à-dire qu'on n'est pas au bon endroit pour appliquer nos développements limités de référence. On ne peut pas appliquer avec l'idée d'Erwan. Est-ce que ça va sur l'idée qu'on ne peut pas faire nos DL de référence comme ça? Alors, même si on n'est pas à l'endroit où on peut appliquer nos développements limités, c'est ce qu'a mis Oussama dans le chat en disant on va factoriser par deux, c'est exactement cette idée-là. En fait, c'est plus que factoriser par deux ou faire ce qu'il faut. C'est, il faut une propriété en plus, et ça, ce sont des propriétés de début d'année sur vos fonctions de référence qu'il faut connaître, ou des méthodes comme la factorisation, etc., qui vont nous permettre de contourner le problème de localité. Et à chaque fois, ben, pour chaque fonction différente, c'est une méthode différente qui permet de contourner ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Typiquement, prenons pour moi le plus simple, c'est celui-là. J'en ai déjà parlé. Comment je peux faire pour faire un développement limité de l'inverse? Donc en gros, ici, c'est l'idée de faire un DL de l'inverse en 2. Alors que la formule de référence qu'on a, c'est de le faire en 1. Ben, il suffit... Ici, l'idée, elle est uniquement aussi simple que ça, c'est de factoriser par 2. Si je factorise par 2, j'obtiens du 1 sur 2, facteur de 1 plus racine de x sur 2. Et donc, je peux écrire que c'est du 1 demi fois, par exemple, 1 sur 1 plus grand x maintenant. Avec maintenant mon grand x qui serait mon... racine de x sur 2, racine de x sur 2, qui tend bien quand petit x tend vers 0, vers 0. Dès que vous changez de lettre, ça permet de vérifier que vous êtes bien au bon endroit et que vous avez bien le droit d'appliquer votre DL, ce qu'on n'avait pas le droit là-haut, par exemple, typiquement ici. Alors maintenant, j'ai juste une question toute bête et on a fini, par exemple, ce premier calcul. Donc ça, c'est un changement de localité pour moi, spécifique à l'inverse. Pour l'inverse, il suffit de factoriser par la quantité à l'endroit où vous êtes. Question toute bête, mais à quel ordre je dois pousser mon développement limité en petit x, enfin pardon, à quel ordre je dois pousser mon développement limité en grand x pour avoir un développement limité à l'ordre 2 en petit x, à cause de la subtilité de la racine de x que je vous ai mis. Il y a une subtilité ici. D'ailleurs, ce qu'on va obtenir, c'est pas tout aussi, c'est un développement limité, mais il y a des puissances non entières. Oui, c'était ça l'idée que je voulais faire développer ici. Oui, Maxence, oui, Baptiste, vous le voyez. Manel aussi, il y a une petite subtilité, c'était juste ça que je voulais vous faire dire. Oui, parce qu'on a du, on a de la racine carrée, il faut qu'il y ait de la puissance 1,5 puissance 4, il faut que ça fasse 2, en gros, c'est ça l'idée. Mais oui, il faut que je pousse, si je veux avoir un petit taux de x carré, entre guillemets, j'ai pas le choix, il faut que je pousse ça à l'ordre 4. Donc si je fais ça, ça me fait par exemple du 1,5 de, et là il faut connaître son développement limité, 1 moins x plus x carré moins x cube plus x4 plus petit taux de grand x4. Ce qui devient quand on remplace avec des racines de x sur 2, du 1 moins racine de x sur 2 plus x sur 4 moins, alors pour moi je mets racine de x au cube, on peut mettre aussi sur 8, plus x carré sur 16 plus petit taux de x carré. Bon, c'est pas le calcul derrière du développement limité qui m'intéressait, c'était de vous faire comprendre qu'on peut arriver à revenir pour toutes les fonctions de référence qu'on connaît au point où on connaît le développement limité. Mais il y a une transformation nécessaire en intermédiaire. Dans le même ordre d'idée, faisons l'autre. Ln de 2 plus x carré. Comment est-ce que je peux faire un changement de localité? Donc là, c'est l'idée d'Oussama, mais qu'il faut pousser un tout petit peu plus loin. Si je réapplique l'idée d'Oussama là-dessus, c'était de factoriser par 2. Oui, clairement, cette chose-là, ça tend quand x tend vers 0, vers 2, ce qui fait que c'est pas au bon endroit. Ce qui se passe, c'est que si je factorise par 2, je me retrouve avec du 2 facteur de 1 plus x carré sur 2.
Mais là, j'ai pas fini. Là, j'ai rien changé en faisant ça. Je suis toujours à l'intérieur de mon ln au voisinage de 2. Donc, il faut que je rajoute un argument, que je rajoute quelque chose derrière pour pouvoir poursuivre. Et c'est bien des règles sur les fonctions de référence. Oui, c'est exactement ça, Alexis. C'est la règle sur les produits dans le logarithme. Et donc, cette règle est très spécifique au logarithme. Je peux pas vous apprendre de. En fait, je peux pas vous donner une méthode globale, à part que quand vous n'êtes pas au bon endroit, vos fonctions de référence ont des propriétés qui vous permettent de résoudre la situation, enfin de résoudre le problème. Mais les formules vont changer à chaque fonction de référence. Ici, c'est le fait que ceci, ça fait ln de 2 plus ln de 1 plus x carré sur 2. Et maintenant, dans le deuxième ln que j'ai ici, maintenant, ce que j'ai gagné, c'est que ce nouveau ln, eh bien, tant bien quand x tend vers 0, vers 1, je suis au bon endroit pour faire mon développement limité de référence. Donc, je vais faire mon développement limité, c'est égal quand x tend vers 0. J'ai demandé un développement limité d'ordre 2. Donc, ceci, je vais le considérer comme du ln de 1 plus grand x, avec grand x, encore une fois, qui vaut x carré sur 2. Nouvelle question toute bête, mais ici je pense que c'est à peu près évident pour vous. Je veux un DL à l'ordre 2 en petit x. À quel ordre je dois pousser le développement limité en grand x pour avoir un DL à l'ordre 2 en petit x? Oui, Baptiste, c'est exactement ça. Ah, donc ça, c'est à vous de le voir. Au pire, si vous faites à l'ordre 2, vous verrez ce qui se passe et vous adapterez vos calculs. Mais ici, il suffit de donc de dire que c'est équivalent à ça plus grand x, plus petit o de grand x. Hein. Pardon, j'ai oublié une plus petit o de grand x. Ce qui devient du ln de 2 plus x carré sur 2 plus petit o de x carré. Il sert à rien de mettre le sur 2 dans le petit o. Mais voilà le développement limité à l'ordre 2 de cette fonction. Enfin voilà, au voisinage de 0. Donc à chaque fois que vous allez avoir une nouvelle fonction de référence, il va falloir adapter en fonction des propriétés de cette fonction de référence. On fait le dernier, on a compris ce concept-là et je serais très content déjà. Donc c'était du. Non, c'était pas du ln, j'ai mis du cos de pi sur 3. Et j'ai juste été très gentil, j'ai juste mis cos pi sur 3 plus x, c'est ça? C'est là-haut. Oui, j'ai mis du cos pi sur 3 plus x. Comment je peux faire pour adapter ça ici? Est-ce qu'il faut que je factorise? Est-ce qu'il faut. Qu'est-ce que je dois utiliser? Encore une fois, il y a un problème de localité, il y a un problème d'endroit où on applique le développement limité. Quelle propriété de la fonction cos je peux utiliser pour arriver à m'en sortir? Tiens, je vais embêter quelqu'un avec ça. Ah, bah Martin a déjà répondu. Oui, c'est la formule trigo. On va utiliser nos formules trigo. C'est exactement ça, Martin. Alors, on va voir qui était l'heureux quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wow, on est quasiment à la fin de la liste. On est que 20. Ah non, c'est parce que je peux pas avoir plus. Ah, mais il y en a qui m'ont feinté depuis tout à l'heure. J'ai pas été en bas de la liste. Bah tiens, je vais repartir de tout en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eh, je pouvais pas vous voir plus de la moitié de la classe. Maël, du coup, est-ce que tu peux me donner ta formule de trigo sur cosinus A plus B? Il m'avait pas mis la liste complète aujourd'hui. Enfin, non, j'avais pas la liste complète dans le chat. Vu que c'est ça qu'on va utiliser ici. Alors, attends, c'est peut-être moi qui ai pas le son très fort. Ouais, c'est moi qui ai pas le son très fort. Recommence, Maëlle, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Ça fait du cos A cos B moins sinus A sinus B. Donc Parfait, du coup. c'est exactement ça. Très très bien, Maëlle. Ça fait donc du cos pi sur 3 cos x moins sinus pi sur 3 sinus x. Et là, on a changé de localité parce qu'en faisant ça maintenant,
On se retrouve bien à l'intérieur du cos avec une variable qui tend vers 0 et à l'intérieur du sine. Alors on a fait apparaître une nouvelle fonction, hein, clairement, mais c'est une fonction de référence dont on connaît le développement limité. Mais ici, qui tend avec des variables qui tend vers 0. Donc je peux appliquer mes développements limités. Alors il me reste aussi à connaître mes cosinus pi sur 3. Donc pi sur 3, c'est un grand angle dans le cercle trigo. Donc comme c'est un grand angle, il a un grand sinus et un petit cosinus. Ça me dit donc que c'est ceci. Et maintenant, j'ai plus qu'à trouver mes développements limités à l'ordre 2 de mes fonctions de référence. Bon, bah ça, c'est pas très très compliqué. Hein. Ça fait du 1 moins x carré sur 2 plus petit o de x carré pour celui-là. Et pour sinus, attention, il n'y a pas de terme à l'ordre 2, donc il s'écrit comme ça. Au final, ça me fait un développement limité un tout petit peu particulier. Ça me fait un développement limité qui est juste du 1 demi moins racine de 3 sur 2x. Moins x carré sur 4 plus petit o de x carré. Donc oui, il est tout à fait normal que la fonction cos, certes, qui est une fonction paire, mais si vous en faites un développement limité pas en 0, là on fait un développement limité de cosinus en pi sur 3. Donc si je fais le graphe de cosinus entre guillemets en pi sur 3. Enfin, le graphe de cos, ça me fait un truc comme ça. Je vais essayer de faire un graphe à peu près propre, un truc comme ça, comme ça. Autant on a bien une propriété de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ici. Quand on est en pi sur 3 ici, il n'y a aucune propriété de symétrie de ce graphe. Hein. Non, c'est x2, c'est x2. Pardon, j'ai en écrivant, oui, j'ai été. Merci Baptiste et Max. Désolé, c'est du x2. Je sais pas pourquoi j'ai recopié du x4. C'est ce que je disais x carré sur 4 et du coup j'ai déjà écrit le 4 en haut. Non, c'est du x2, excusez-moi, c'est une erreur de recopie. Mais juste pour bien comprendre, si on a bien une propriété de symétrie qui enlève tous les termes impairs ici, ici au milieu de la droite, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas de propriété de, pour que ce soit y ait des propriétés de symétrie. De toute façon, et on va arriver sur ça et on va finir le cours après là-dessus. Juste une chose, puisque le développement limité est une approximation polynomiale à n'importe quel degré de votre fonction, quand on utilise, et c'est le cas ici, si j'utilise, donc ça revient à faire en fait c'est le DL à l'ordre 1 en 0 de cette fonction. Par rapport à ce que vous utilisiez en lycée, c'est quoi le DL à l'ordre 1 d'une fonction en un point A? Le développement limité autour d'un point A de polynôme de degré 1. Par rapport à la courbe et au dessin que j'ai fait ici. Oui, c'est exactement ça, Baptiste. Oui, c'est la tangente en A. Alors, attention, il faudrait changer la variable. Ici, la variable petit x tend vers 0. Donc, c'est l'équivalent du x moins A de votre formule de la tangente. Mais c'est la même idée, en tout cas. Le fait que la fonction passe par ce point-là, donc vaut 1,5, c'est le fait que ça passe par ce point-là, c'est ce qui est donné par la constante. Le fait que la pente, c'est du moins 3 demi de x, moins racine de 3 sur 2, ça me donne la pente qui est là. Ça me donne le fait que c'est cette droite-là qui approche au mieux cette fonction-là au niveau de ce point. Donc le développement limité à l'ordre 1, ça on peut le voir, c'est une remarque, c'est un truc à comprendre, je pense. Je ne sais pas si je l'ai mis comme propriété dans le cours, sûrement comme une remarque quelque part. Oula, j'ai zoomé sans le vouloir. Je passe dans mon poly, j'essaie de retrouver où est-ce que je vous ai fait ça. Non, je n'ai pas fait de remarque géométrique comme ça, j'aurais peut-être dû. Mais c'est une remarque que je tiens à vous faire, c'est que le développement limité à l'ordre 1, donne l'équation de la tangente à la fonction
au point considéré. Alors typiquement, bah tiens, on va le faire sur cet exemple-là, à la limite, pourquoi pas, et on arrêtera cet exercice-là après. En déduire, l'expression de la tangente à la fonction cos en pi sur 3. Alors on vient de prouver que cosinus pi sur 3 plus x, ça fait du... Je vais même me limiter au développement limité à l'ordre 1, j'ai pas besoin de plus. C'est un racine de... Oh là là! C'est racine de 3 sur 2 et j'écris racine de 2 sur 3, c'est pas possible ça. Racine de 3 sur 2, x plus petit o de x. J'ai une question et c'est justement ça. Quelle est l'équation de la tangente à cos en pi sur 3? Est-ce que c'est exactement cette expression-là, la tangente? C'est dû à ça, il y a une subtilité. Hein. Quand vous faites l'équation d'une tangente... Un demi, non, ça a une pente, une tangente. Un demi, ça suffit pas. C'est juste le jeu de variables qu'il faut comprendre. La tangente à la fonction cos, vous me la calculez pas en faisant cos de pi sur 3 plus x. La tangente à la fonction cos, vous le faites par rapport à des calculs de dérivés sur cos. Donc en fait, il faut juste se ramener à une notation un peu plus standard. C'est-à-dire que ça, c'est équivalent à dire que cos grand x est égal quand grand x tend vers pi sur 3 à 1 demi moins racine de 3 sur 2. Et ce qui joue le rôle de petit x, c'est x moins pi sur 3. Donc là, c'est une notation plus standard pour la fonction cos. Donc l'équation de la tangente qu'on a obtenue par le développement limité à l'ordre 1, donc la tangente, et y égale 1 demi moins racine de 3 sur 2 x pardon moins pi sur 3. C'est un 1 demi super mal écrit. Et en soyons clairs, ça c'est votre formule de début d'année que vous n'avez pas besoin de connaître, mais vous connaissiez quand vous arriviez en général pour certains, qui est juste ceci. Donc on retrouve bien ça, l'équivalent du A c'est le pi sur 3, ah, bien entendu, donc ça c'est bien du f de A, c'est bien le f de pi sur 3, et donc notamment on en déduit quelque chose, le nombre dérivé de tangente, de cosinus en pi sur 3, c'est clairement moins racine de 3 sur 2. C'est normal, la dérivée de cos c'est moins sine. Ça revient à ça. Est-ce que ça vous va sur ce sens de que. Enfin bref, là c'est juste une petite remarque graphique que le développement limité à l'ordre 1, c'est la tangente en fait. Alors attention au jeu de variables, hein, quand vous avez une variable qui tend vers 0 et que vous n'êtes pas en 0, c'est pas pile la bonne équation de la tangente. Mais sinon, c'est la tangente. Bon, voilà pour ça. Dernière idée que je voulais développer sur les développements limités, qui est moins utile, moins classique, mais qui peut être utilisée. Je vais remonter tout en haut et je vais effacer. Tiens. Je pense que là, maintenant, j'ai beaucoup de tableaux quand même. Ouais. C'est ce que je pensais. J'ai fait deux exos d'affilée, le deuxième était long, donc j'ai beaucoup de tableaux. Donc j'efface le haut. La dernière idée, c'est que on a le droit à toutes les opérations type composé, multiplication, somme, sur les développements limités. On peut même faire des quotients en faisant jouer sur le développement limité de l'inverse.
c'est pas vraiment une opération fondamentale, mais c'est quelque chose qu'on a vu et qui est utile. On peut aussi faire des choses avec l'intégration des développements limités. On a le droit d'intégrer un développement limité. Et ça peut nous aider à trouver facilement des développements limités très puissants. Alors, notamment un, qui est classique et qu'il faut savoir refaire. Ah bah, il a un micro, Sofiane, apparemment. L'autre fois, tu pouvais pas répondre. Alors, mince, je descends beaucoup trop bas, je suis en train d'effacer mon exo là. Ah, j'ai pas fait gaffe. Bon. Ah, bon, je laisse le dernier calcul. Hop, je remonte plus haut. Et allons-y. La dernière idée, c'est qu'on peut intégrer les développements limités. Qu'est-ce que je veux dire par là? On vient de faire le développement limité de tangente. Est-ce que je pourrais obtenir un développement limité d'arc tangente? Bah déjà, première réponse, oui, je peux obtenir un développement limité d'arc tangente, clairement, en appliquant Taylor. Si j'applique la formule de Taylor, par exemple à l'ordre 3, hein, si je veux faire un truc simple, tiens, je vais le faire à l'ordre 5. Est-ce que je peux obtenir un DL à l'ordre 5 en 0 d'arc tangente par Taylor? Bah oui, on sait. Alors, je vais juste utiliser pour gagner un peu de temps que la fonction arc tangente est impair. Donc forcément, c'est nul en 0. Je vais forcément avoir du arc tangente prime fois x plus arc tangente dérivée troisième en 0 sur 3 factoriel fois x. Et ensuite, j'ai un terme d'ordre 5 qui est arc tangente dérivée cinquième pris en 0 sur 5 factoriel. C'est un x cube ici fois x5 plus petit o de x5. On serait capable d'obtenir le développement d'arc tangente comme ça par Taylor. Il suffit de trouver les coefficients, la dérivée troisième, donc je vais juste refaire les petits calculs vite fait, mais je sais pas si ça va être un peu long, donc on va peut-être pas tout faire. Arc tangente prime, ça fait du 1 sur 1 plus x carré. Ouais, donc déjà aller jusqu'à la dérivée troisième, ça va déjà être long. Mais vous êtes d'accord qu'on peut le faire en faisant toutes les dérivées successives d'arc tangente et en calculant ensuite en 0. Je peux trouver un développement limité d'arc tangente comme ça. En fait, on va utiliser cette propriété-là. Alors, il faut que je la mette. Prendre un instantané. Hop. On a le droit, en fait, d'intégrer un développement limité. Donc, c'est la propriété qui est. Ah, mais. CTRL-V, voilà. C'est la propriété 8 du poly que je mets dans le chat. Donc si f a déjà un développement limité, en fait, on peut obtenir un développement limité de la primitive en primitivant tout simplement le développement limité. Attention, il y a une grosse subtilité quand même, c'est que quand on primitive, si on primitive notamment avec la primitive en 0, il ne faut pas oublier d'ajouter une constante, cette constante étant la fonction en 0. Mais typiquement, comment on peut utiliser ça pour obtenir de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante un développement limité d'arc tangente? Ben justement, on sait qu'arc tangente prime de x, ça fait 1 sur 1 plus x carré. Et ceci, ben ça en fait, je peux lui appliquer, par exemple, si je fais un DL en 0, ça j'ai bien le dénominateur qui tend quand x tend vers 0 vers 1. Donc ça, je peux appliquer le DL de l'inverse. Alors, le DL de l'inverse en 1, enfin, quand la variable tend vers 0 et que l'inverse est au voisinage de 1, si je fais ça, en fait, je peux dire que ça, c'est juste du. Il faut faire le DL de l'inverse, hein, donc si je pose, je vais peut-être faire une ligne intermédiaire avec mon grand X encore une fois. Et ça, c'est du 1 sur 1 plus grand X. Ça fait donc du 1 moins grand X plus grand X carré moins grand X3 plus grand X4, etc. Et je peux continuer comme ça. Je peux aller aussi loin que je veux. Ensuite, je peux remplacer ça par mes petits x. Donc ça me fait du 1 moins x carré plus x4 moins x6 plus x8. Et je peux continuer comme ça. Ça irait jusqu'à un petit o de x puissance 2n.
Et maintenant que je sais ça, je peux primitiver en fait la relation qui est là. Et si je primitive la relation qui est là, j'aurai un développement limité d'arctangente. Sauf qu'il faut faire attention intuitive, enfin c'est pas faire attention, c'est juste une petite remarque. Quand je vais primitiver ce développement limité, ce terme-là va me donner un terme en x. Ce terme-là va me donner un terme en x cube sur 3. Ce terme-là va me donner un terme en 5 sur 5. Etc. etc. Le petit o, quand je vais le primitiver, ça va me donner un x puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1. Alors c'est une remarque qui est mise dans toute la section de, où il y a la propriété 8 que je vous ai mis, en fait, f est un développement limité qui se fait à l'ordre n. Bah, vous pouvez remarquer avec cette idée-là que si on fait un développement limité de la primitive, si on avait un développement limité d'ordre n pour la dérivée, on peut obtenir un développement limité d'ordre n plus 1 pour la primitive. Donc si je veux utiliser, obtenir, comme je l'ai dit là-haut, un développement limité d'ordre 5 de arctangente, je n'ai besoin que d'obtenir un développement limité à l'ordre 4 pour sa dérivée. Ce qui veut dire que pas besoin de mettre autant de termes que tout ce que j'ai mis ici. Par exemple, si je dis que la dérivée d'arctangente a pour développement limité 1 moins x carré plus x4 plus petit o de x4, bah alors forcément, par intégration, arctangente x, c'est tout simplement, il faut intégrer avec, alors soit vous l'appelez c, mais en fait c'est assez évident que c'est la fonction au point où vous calculez, donc c'est arctangente de 0, et donc ça fait du arctangente de 0, le moins x carré va devenir du moins, pardon, arctangente de, j'ai le, pardon, j'ai d'abord le plus 1 qui vient du plus x, ensuite le moins x carré qui vient du moins x3 sur 3, le plus x4 qui vient du plus x5 sur 5, et plus petit o de x5 sur 5, mais petit o de x1 sur 5, ça fait petit o de x1. Alors ici, attention pour arctangente, c'est évident, oui, arctangente de 0, ça fait 0, la fonction est impaire, donc ça n'apporte rien, mais il ne faut pas oublier cette constante. Mais voilà comment on peut très rapidement obtenir un développement limité d'arctangente. D'ailleurs, je vous le dis, on fera la transition avec les autres formules de Taylor demain en cours. On va repartir de ce principe-là avec cet exercice-là demain. On commencera par faire cet exercice-là, qui est l'exercice 6 du poly. Qui avait un but un peu particulier, c'est un développement classique, ce que je vais vous mettre là, enfin ce qu'on va faire là dans l'exercice 6. Mais c'est une obtention en gros de développement limité d'arctangente, ou de série, ça parle de série là, mais c'est un développement limité infini, c'est tout. Mais sans passer par les formules de Taylor. Et c'est typiquement le genre de truc qui parfois peut tomber, particulièrement sur cette série-là, vu que ça fait intervenir à l'inverse. Voilà pour ça. Je pense qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. Dans 1 heure, on a informatique pour ceux qui sont là. On va poursuivre un peu sur les fonctions, enfin sur les gérandes, un peu avec des algorithmes un peu plus poussés. Vu que je ne vois pas trop quoi faire d'autre avec vous tant qu'on n'est pas ensemble en PP. Voilà. Je pense que c'est tout. Je peux rester là pour répondre à vos questions si vous en avez. Mais j'ai rien de plus à vous dire que ça. Au revoir, Camélia. Au revoir, ma belle amie. Monsieur, Oui. j'avais une petite question là sur ce qu'on vient de faire à la fin sur l'intégration de l'arctan. J'ai pas compris à quel instant on a intégré, enfin, à quel moment on a mis en relation le développement limité de arctan prime de x avec le arctan de x en fait. Ben, quand je suis passé de cette ligne-là, en fait, sans le dire, j'ai intégré des deux côtés. Donc là, une primitive d'arctan prime, c'est arctan. Et une primitive de ce développement limité-là, c'est celui-là. J'ai pas mis de borne à mes primitives parce que justement, c'est en zéro, c'est des polynômes. Vous connaissez bien la primitive Oui, sans,
sans réfléchir. Le seul lien, c'est qu'attention, quand on primitive, il y a la constante d'intégration qui apparaît, le fameux C. Ah, mais la constante d'intégration, c'est en fait, si j'avais fait vraiment une intégrale, ce qui se serait passé ici, Martin, c'est que j'aurais eu l'intégrale de 0 à t, entre guillemets, ou à x, plutôt, de arctangente prime à t dt. Et donc, oui. Cette quantité-là devenait arctangente x moins arctangente 0. Oui. Et donc, le arctangente 0, enfin, bref, il faut pas l'oublier dans les... par exemple, la fonction en... dans la bande du bas, elle aurait peut-être pas été nulle. Oui, si on n'était pas en 0, si c'était pas sur arctan, il y aurait peut-être une autre constante. C'est pour ça qu'il faut juste parler de constante et de choses comme ça. Ok. Merci.